Bonsoir, à la une de ce samedi 31 mars, les jours se suivent et se ressemblent sur nos routes avec deux nouvelles victimes dans un accident à Balaclava ce matin. La voiture dans laquelle l'homme et la femme se trouvaient a terminé sa course contre un mur. Trois autres blessés sont à déplorer. Le père de l'une des victimes, âgé de 29 ans, s'est confié à l'Express. Une vidéo à suivre sur l'express.mu. Pour Paul Béranger, les PNQ de Xavier Luc Duval laissent à désirer. Le leader des Mauves s'en est encore pris au leader de l'opposition lors de sa conférence hebdomadaire ce samedi. Il a dans la foulée lancé une mise en garde au gouvernement concernant Álvaro Sobrinho. Les membres du gouvernement s'en sont aussi pris à Xavier Luc Duval et à ses PNQ. Lors d'une conférence de presse ce matin, ils ont fait comprendre que c'est une rentrée parlementaire ratée pour l'opposition, d'autant plus que le leader de l'opposition ne s'est pas posé de PNQ. Merci d'avoir été des nôtres en ce samedi. L'Express souhaite une bonne et joyeuse fête de Pâques à tous.